Bonsoir. Ce soir, je te reçois en toute intimité. La journée a passé. Il y a eu beaucoup de choses, encore, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient de se passer où j'avance bien maintenant, je concrétise bien. Donc du coup, ben, voilà, le sourire revient, la force revient. J'ai finalisé pour les sacs de vêtements, ça y est. Tout est à la recyclerie. J'espère que ça fera quelques sourires sur certaines femmes, parce qu'il y a des vêtements que pour femmes, femmes rondes, parce que sinon, ça vaut pas le coup. Et c'est vrai que se débarrasser de vêtements, de beaucoup, beaucoup de vêtements que je gardais, c'est un sujet parmi tant d'autres qui... Oui, beaucoup de joie, beaucoup de réflexions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses et au final, qu'est-ce que ça fait du bien? J'ai amené des choses chez mes voisins qui vont entreposer le peu que je vais garder. Je vais plus leur apporter beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de voyages déjà chez eux. Bon, le bio de charcutier, finalement, je ne le vends pas. Parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. J'arrive pas à le vendre pour 3 francs 6 sous parce qu'il a une valeur côté cœur pour moi. Petit secrétaire, mais quelques bricoles, c'est tout, pas grand-chose. Brandon n'est pas venu aujourd'hui pour des raisons personnelles. Il ne viendra pas demain non plus. Il m'a promis de venir samedi matin. Je l'espère très fortement parce que je veux vraiment partir dès dimanche matin sur la route, reprendre la route. Ah, ouais, vraiment. Et puis cet après-midi, je me suis un peu posée. J'ai enfin finalisé là cette espèce de tricot. Je suis nulle en tricot. Ça fait des années. Je devais avoir 10-11 ans la dernière fois que j'ai fait du tricot. J'avais suivi un tuto pour essayer de me faire un petit châle comme ça, facile à mettre en sortant du camping-car parce qu'il faut toujours un petit quelque chose. On est beaucoup à l'extérieur, mais il ne faut pas penser qu'au soleil, qu'à la chaleur. Bah non. Puisque je vis dans mon camping-car, donc faut une petite chose aussi chaude, rapidement disponible. Je sais pas si la bouteille de gaz s'arrête, qu'il faut changer, peu importe, un petit quelque chose, voilà. Donc j'ai réussi à me faire ça. Vous êtes nombreux à m'avoir donné des conseils par rapport au rangement au-dessus de la cellule de conduite. Je sais même plus comment on dit. Merci, merci à vous. Donc, comme je vous l'ai dit à tous, Brandon va acheter lui-même le matériel. Il l'a pas encore acheté. Il sait exactement ce qu'il veut mettre. Il a bien compris le sujet. Sinon, bah, j'ai eu des nouvelles de Crissa, qui se dépatouille à droite et à gauche avec les impôts, etc., etc. Bon, pour le moment, j'y échappe un petit peu puisque j'ai toujours une adresse légale. Ça ne va pas durer. L'histoire du CCAS ne semble pas si simple. Il faut vraiment le faire dès que possible. Dès que tu sais que tu veux partir, contacte vite le CCAS. Enfin bon, Chrissa et moi, on te donnera plus d'explications par la suite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Eh ben, très honnêtement, je me suis un peu ressourcée, je me suis un peu posée. Voilà, j'avais besoin de me poser. J'ai discuté peinture avec une personne que je connais bien. J'ai un petit peu, voilà, fermé les portes de Coquelicot parce que j'avais besoin de me retrouver seule, tout simplement. Tranquille, ce que je ne peux pas trop faire depuis des jours et des jours, puisque comme je t'ai dit, il y a beaucoup de monde qui va, qui vient pour des meubles, pour la maison, etc. Et mine de rien, je suis quand même sauvage, j'aime bien rencontrer des gens, mais j'aime ces moments où je suis seule, vraiment seule, j'en ai besoin. Je sais que Chrissa
Et revenu sur Castillon, j'ai pas trop suivi, je te l'avoue, le pourquoi elle est restée à Castillon. Oui, je crois que c'est à cause des impôts qu'elle veut aller voir demain. Tu vois, c'est là qu'on se rend compte que nous ne vivons que côte à côte en tant que voisines. Là, aujourd'hui, j'avais besoin d'être seule, donc je suis restée seule avec mon chat. Tout était parfait. J'ai repris de l'énergie pour demain, parce que dès demain matin, je dois réattaquer certaines choses, toujours matérielles, administratives. En tout cas, je suis très contente de mon châle. C'est la première fois que je me fais une petite chose comme ça. Entre le tuto et ma façon de régler cette histoire. Voilà, maintenant ça me donne un châle tout à fait opérationnel pour le futur. Je te souhaite plein, plein, plein de belles choses. Je te fais plein de gros bisous et à tous, chaque abonné, je fais un gros bisou. Merci d'être si présent dans vos commentaires, dans vos réactions, dans vos conseils, dans... Vraiment.